cette condition. Je vous avoue que j'avais préparé quelque chose, mais vraiment, les échanges, les présentations sont vraiment très intéressantes. Puis je voulais plus profiter de ce moment-là pour un peu vous présenter certains des constats ou de ce que j'ai pu remarquer qui est un peu en lien avec notre coalition. Donc, peut-être juste brièvement vous dire que la coalition pour le contrôle du tabac, elle existe depuis 1996. Moi, je travaille au niveau de la lutte anti-tabac depuis 2004, puis je suis porte-parole et co-directrice de la coalition depuis 2009. La mission de la coalition qui regroupe plus de 450 organisations, puis des milliers de gens qui nous appuient, donc des supports individuels, c'est un peu de rallier les gens, la communauté. Initialement, c'était la santé publique, mais maintenant, c'est aussi plus large, de rallier la santé, de rallier ces gens, ces mouvements-là, pour l'obtention de mesures, principalement législatives, mais aussi fiscales. Puis en fait, la coalition, elle est née du fait que quand les gouvernements, dans les années 90, ont baissé les taxes face à la contrebande qui était orchestrée par l'industrie du tabac, que les scientifiques, que les chercheurs, que la communauté en santé publique était absente dans ce débat-là. Puis c'est à ce moment-là où des intervenants de la communauté ont dit « Écoutez, la science, c'est pas suffisant. Les élus prennent des décisions sans même tenir compte de la science. Il faut s'engager au niveau de la lutte politique. » Je suis contente d'être ici, notamment peut-être vous dire que, donc, un, on n'est pas des chercheurs. On est ici, entre autres, pour apprendre, puis on a entendu des choses très intéressantes. Mais je veux juste aussi en profiter pour vous dire un peu, partager ma réalité. Donc, quand moi j'entre dans le bureau d'un élu, que ce soit provincial, fédéral ou municipal, ou je suis interpellée par un média, la question qu'on me demande, c'est pas tellement c'est quoi le problème, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour régler un problème? Qu'est-ce que je veux? Et dans ce sens-là, soyez juste alerte face à ça, que si on se fait donner le micro, puis si on se fait dire « OK, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être prête avec des solutions. » Puis j'ai entendu quelques idées émergentes, fait que ça, c'est une bonne chose, mais c'est sûr qu'il faut développer. L'autre chose par rapport aux inégalités sociales, je peux juste vous dire que récemment, ça fait partie, comme Kate le soulignait, ça fait partie plus intégrale des débats politiques, mais historiquement, puis là je peux parler des 10 dernières années, quand les élus arrivent avec ce débat-là, puis disent « on veut privilégier une approche qui tient plus compte de la social equity lens », ça s'est avéré à être des pertes de financement. Okay? C'était l'idée de pouvoir trouver un rationale ou de légitimer le fait qu'ils allaient couper dans des programmes ou dans des stratégies. Ça s'est passé notamment au niveau, quand ils ont complètement annihilé la stratégie fédérale de lutte anti-tabac pour les Premières Nations en 2005-2006. Puis par la suite, ils l'ont fait aussi quand ils ne voulaient pas renouveler les mises en garde qui sont passées de 50 à 75. Finalement, ils l'ont fait sous la pression des groupes. Puis sachez que quand c'est passé de 50 à 75, la ligne j'arrête, hein, le quit line, ils n'ont jamais eu, c'était des records d'appels parce que le quit number est sur les paquets. Fait que juste pour penser que, tu sais, il y a des politiques publiques qui fonctionnent ou en tout cas qui interpellent les fumeurs, peu importe leurs horizons, puis les mises en garde, c'en est une. Et donc, à ce moment-là, les politiciens nous avaient dit « Écoutez, on va couper dans ça, puis on veut plus cibler, on veut faire de la communication sur les réseaux sociaux avec les jeunes. Okay? » Donc, puis moi, j'ai pas la même confiance que Kate, puis on pourra en parler par la suite par rapport à la stratégie fédérale. Je pense que l'année passée, lorsque ça a été annoncé, ou l'objectif de réduire à 5 % d'ici 2035, je pense qu'il y avait beaucoup de oomph, puis de vitalité dans cette annonce-là, mais plus récemment, c'est plus tranquille, puis la stratégie, elle vient à échéance à la fin du mois de mars. Donc, dans les prochaines semaines, quelque chose va être annoncé. Moi, j'ai l'impression que tout est déjà cané, puis les signaux qu'on a, en tout cas pas nous, peut-être que vous en avez d'autres, c'est que c'est pas quelque chose d'ambitieux ou de novateur ou
whatever, OK? Je pense que ça va être more of the same and much less of what we've done successfully in the past. Par rapport aussi à ce que j'ai entendu, je pense juste tenir compte que, parce qu'on a parlé beaucoup aussi, je pense, de la perspective, tu sais, des facteurs de risque et tout ça, puis que les messages ou comment les politiques publiques interviennent auprès des fumeurs, mais penser que ce dialogue-là se fait contre un vecteur industriel qui n'est pas statique. Pendant que nous, on parle aux fumeurs puis à la population, l'industrie parle aussi aux fumeurs. Fait que je dirais juste que quand on interprète les résultats, entre autres, du taux de tabagisme chez les jeunes adultes, puis le fait que ça stagne ou qu'on n'a pas fait les progrès, bien, c'est cette même cohorte-là qui a été soumise aux produits aromatisés en 2005, au fait qui ont perduré jusqu'en 2013-14, et au fait qu'on n'a pas eu des hausses de taxes de 2004 à 2012. Okay? Et je vais juste rajouter juste un petit 30 secondes. On pourra en parler plus, mais je pense que c'est profondément erroné de penser que les politiques publiques qu'on a actuellement, surtout au niveau législatif, sont universelles et uniques. Parce que gardez en tête que pour les mesures sans fumée, par exemple, ça ne s'applique pas dans les chantiers de construction. Okay? Puis justement, le Canadian Conference Board nous disait que c'est parmi ces populations-là où on trouve le plus haut taux de tabagisme. Donc, il y a plusieurs comme ça, si je pourrais dire, de gaps, okay, au niveau de la législation. Puis c'est pas à cause des groupes de santé. Okay? Il y a un lobby ailleurs qui se fait pour prévenir le changement. Puis au niveau aussi de la taxation, puis j'en reviendrai à un autre moment donné, mais par rapport aussi à la taxation, l'industrie parle très fort par rapport à ça, puis de penser que les produits sont tous traités de la même façon qu'ils ciblent des fumeurs qui viennent de communautés plus favorisées versus des communautés plus défavorisées, ça serait faux, parce que l'industrie a vraiment a des interventions très spécifiques pour attirer et maintenir ces clientèles-là qui sont différentes. Merci. Merci, Florie. Je passe la parole à Sébastien Baudet. Oui, bonjour. Donc, vous allez bien, tout le monde? Oui. Donc, je suis le directeur d'un organisme communautaire qui s'appelle le Carrefour familial Hochelaga. On est situé dans le secteur du sud-est d'Hochelaga. Donc, c'est une zone qui est visée par une rue. C'est un petit sous-secteur du quartier Hochelaga qui est très dévitalisé, si on veut. Donc, c'est dans cette perspective-là qu'on a communiqué avec moi. Je pense qu'il y a toujours en face de notre organisme en permanence, là, dans les heures de jour, 2, 3, 4 personnes qui sont en train de fumer une cigarette. Donc, je pense que c'est un peu pour ça qu'on a communiqué avec moi. J'ai vraiment longtemps hésité avant de venir ici, d'être panéliste. J'ai encore un peu le syndrome de l'imposteur. J'ai aucune connaissance sur les politiques publiques en matière de tabagisme. J'ai aucune donnée probante non plus sur le nombre d'intervenants ou de membres dans notre organisation qui fument ou ne fument pas. Peut-être ce que je peux dire déjà, c'est que ben nous, on travaille vraiment, on ne vise pas nécessairement la lutte contre la pauvreté, mais on travaille avec des familles qui la vivent, eux, la pauvreté. Ce n'est pas nécessairement une priorité d'arrêter de fumer. Il y a vraiment beaucoup de familles là, qui ont un parcours très, très sinueux, tant dans leur vie de jeune adulte que dans leur vie d'adulte. Et il y a vraiment beaucoup d'autres priorités. Et peut-être effectivement qu'il y a une culture du tabagisme ou une culture du un peu je m'en fous. Et puis il y a d'autres trucs plus importants où il y a une culture du on viendra pas me dire quoi faire avec des politiques publiques. Peut-être nous, un objectif qu'on s'est donné, c'est que quelque chose qu'on remarque, c'est que dans les quartiers plus favorisés, il y a vraiment une plus grande participation dans des citoyens, dans les espaces de concertation,
les espaces de prise de décision, les espaces de prise de parole, où on décide ensemble des priorités du quartier ou des priorités au niveau national ou même ne serait-ce que de s'impliquer dans les espaces de décisionnels de son école. Bref, je pense qu'il y a toutes sortes de facteurs qui nous donnent du pouvoir autant sur notre vie que sur notre communauté dans laquelle on vit. Et dans les quartiers plus favorisés, ça se transmet de génération en génération. Mais nous, ça semble se transmettre aussi une sorte d'absence de participation qui se transmet aussi de génération en génération dans les quartiers plus défavorisés. Et c'est ce qu'on peut-être c'est le message pour lequel je suis venu ici. Donc peut-être de lancer la question de la participation des personnes, parce qu'on n'arrête pas de parler d'un groupe de personnes qui fument plus. Moi, je pense que ça doit, en tout cas, c'est une bonne piste de vraiment passer par eux, de réfléchir à des politiques publiques en allant les faire participer. Donc, c'est juste une petite piste d'idées. Voilà. Je ne sais pas si il y aura des questions là-dessus. Ça me fera plaisir d'y répondre. Fantastique, merci Sébastien. En fait, on va laisser chacun des panélistes faire leurs 5 minutes, oui. Et après on va ouvrir. Donc gardez vos questions pour chacun des panélistes. Vous pouvez les questions que vous pouvez poser, ça peut être pour un, ça peut être pour tous les quatre, on verra. Mm. Donc je passerai la parole à Annie Montreuil, s'il vous plaît. Alors, je suis Annie Montreuil, conseillère scientifique et chercheure à l'Institut national de santé publique, dans l'équipe de lutte contre le tabagisme depuis 11 ans. Et je suis aussi professeure associée au département de psychologie de l'UQAM. L'Institut national de santé publique est un centre d'expertise et de référence en santé publique. Notre mission est de soutenir les décideurs dans l'exercice de leurs fonctions. Nos principaux clients, c'est le ministère de la Santé et aussi les directions régionales. Puis, soutenir les décideurs, la façon dont ça se traduit dans notre travail quotidien à l'Institut, c'est souvent par des synthèses de connaissances qui, à partir de la littérature scientifique et de la littérature grise, et en incluant aussi des données de surveillance. Puis, dans nos constats, on essaie toujours de contextualiser au contexte québécois les conclusions, si on veut, de la littérature. Nos publications sont accessibles gratuitement sur le site Internet de l'Institut et reçoivent quand même passablement d'attention médiatique. Sur les jeunes adultes et les inégalités sociales, on a des travaux en cours, donc on n'a pas fait dans l'équipe de lutte contre le tabagisme beaucoup de publications jusqu'à maintenant. Il y en a eu une il y a quelques années sur les données de surveillance, mais je peux quand même vous partager là, les grandes lignes de travaux qui sont réalisés par d'autres personnes de mon équipe qui sont en cours, notamment sur les interventions de renoncement au tabac, comment réduire les inégalités sociales dans ce domaine-là, et comment aussi les interventions de renoncement au tabac peuvent mieux rejoindre les jeunes adultes. On a aussi un autre volet qui va porter sur la protection, mais ça c'est très... on est vraiment au début. Donc, la réduction des inégalités sociales pour la santé publique dans son ensemble, c'est une priorité. C'est inscrit au Programme national de santé publique 2015-2025. C'est aussi une priorité pour la lutte contre le tabagisme. Donc, en matière de lutte contre le tabagisme, il faut rappeler que les politiques publiques, c'est un levier important qui a contribué notamment à mettre en place des environnements favorables au non-usage de tabac pour l'ensemble de la population. Donc, les interventions les plus visibles, c'est les interdictions de fumer dans les lieux publics. Donc, c'est celles qui ont été davantage discutées aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Donc, dans la loi qui a été révisée en 2015, il y avait plusieurs mesures qui visaient des contraintes à l'industrie du tabac. Donc, entre autres, on pense à l'interdiction d'étalage dans les points de vente, l'interdiction de promotion, de tout type de promotion, tout type de publicité. La vente à l'unité aussi, ça date de plus longtemps que 2015, mais la vente à l'unité des petits cigares, les produits aromatisés ont été interdits, incluant les cigarettes au menthol. Puis ont été interdits parce que ces produits-là donnaient l'impression qu'ils étaient moins nocifs pour la santé aux jeunes et aux jeunes adultes et rendaient les premières expériences aussi plus agréables avec le tabac. Donc, puis donnaient une impression aussi dans les points de vente que c'est un produit inoffensif alors que c'est pas un produit inoffensif.
Puis le rationnel des interdictions, donc j'entendais beaucoup les interdictions de fumer sur les terrasses, le rationnel, la raison pour laquelle cette interdiction-là est implantée, c'est pas pour protéger les clients qui vont sur les terrasses, c'est pour protéger les travailleurs des restaurants et des bars qui, eux aussi, ont le droit à un environnement de travail qui est exempt de fumée. C'est pour cette raison-là que ça a été interdit. Donc, les fumeurs, les clients, eux, ils peuvent décider de ne pas aller sur la terrasse si ça les dérange, mais les gens qui travaillent là, ils sont exposés, premièrement, sur une longue période, puis c'est leur travail, ils ne peuvent pas se soustraire à cette exposition-là, qui, sur les terrasses, dans certaines conditions, peut être assez dommageable pour poser un risque réel à leur santé. Bon, évidemment, les mesures contraignantes pour les fumeurs dans les plans de lutte contre le tabagisme, comme le plan québécois, ne viennent pas seules. Elles sont accompagnées de mesures qui visent à encourager les fumeurs à cesser de fumer et à les soutenir dans leur démarche. Donc, depuis longtemps, il y a toute une panoplie de services gratuits offerts aux fumeurs. La ligne téléphonique J'arrête, le site Internet J'arrête, les aides pharmacologiques sont remboursées dans le régime public. Le Québec a été précurseur en 2000 en incluant les plusieurs aides pharmacologiques dans les régimes, en tout cas en remboursant ces aides-là pour les fumeurs du régime public, qui étaient dans le régime public. Et il y a également des interventions auprès des professionnels de la santé pour faire du meilleur counseling et pour le faire de façon systématique auprès des fumeurs. Donc, le soutien est là. Après plusieurs années, aujourd'hui, force est de constater que ces interventions-là ont réussi à rejoindre davantage certains groupes et moins d'autres, effectivement. Et ça, c'est bien documenté dans la littérature, les inégalités, la moindre utilisation de certains services par les fumeurs défavorisés. Mais, donc là, ce qu'on a besoin, mais la littérature nous donne moins d'informations sur ce qu'on doit faire maintenant pour améliorer les interventions, pour les rejoindre, les fumeurs. Il y a des pistes, il y a des interventions prometteuses, mais jusqu'à maintenant, ce qui manque, les besoins de recherche, c'est qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, au Royaume-Uni, le Royaume-Uni, on regarde beaucoup, on a les yeux tournés vers ce qu'ils font parce qu'il y a des bonnes pratiques, malgré ce qu'on a vu tout à l'heure, malgré la présentation qui nous montrait peut-être plus le dark side. Mais il y a quand même plusieurs interventions intéressantes, des cliniques mobiles qui vont rejoindre. Puis là, il y a une autre présentation aussi qui parlait des lieux. Puis je trouvais ça intéressant parce que ça nous donne une idée. Ce qu'on pense qui est proche du domicile d'un fumeur, par exemple les services locaux, bien, c'est peut-être pas si proche que ça, finalement. Puis on voit aussi que les gens ont moins... Donc, dans les interventions prometteuses, il y a les cliniques mobiles qui vont dans les endroits où les fumeurs sont. Donc, puis en terminant, une autre chose que je trouve importante à dire, c'est que dans les plans, il n'y a pas seulement les politiques publiques, il y a aussi un bon nombre d'interventions qui sont réalisées par des intervenants locaux. Eux, ils sont en contact avec les fumeurs, ils sont en contact avec la population, puis peut-être que la réponse pour réduire les inégalités, elle vient davantage de ces intervenants-là qui ont un meilleur accès aux fumeurs défavorisés, aux jeunes adultes, à la population, sont peut-être mieux placés que les politiques publiques en général pour aller réduire les inégalités puis pour offrir des interventions de proximité. Bon, je m'arrête. Merci beaucoup, Annie. Je passe la dernière parole à Rebecca Hinsa, puis après ça, on lance le débat dans la salle. Rebecca. Hi, everyone. I come to this topic as a health sociologist and a researcher of youth smoking and working in public health. So I've been working in tobacco-related topics with youth for about 19 years now and had the great privilege of working with Kate Frolic on a few of these qualitative projects with youth and young adults. I also orient to this topic based on my lived experience as a smoker, which was 17 years from the age of 17 to 30 as a regular tobacco user, which, you know, was just last week. No, it was 15 years ago now that I've quit, but I like to tell people that. So in using interviews, focus groups, participant-driven photography, social media, I have tried to intervene within tobacco control as a field of practice by bringing the perspectives of young smokers who are seen but not often heard and listened to into our realm of policy for the insights that they bring us that are sometimes outside of mainstream public health and tobacco control. And so I'm going to share a few insights, I think, about what we know in the field and where I think things need to go
also relating this now to the work that I've transitioned into in the last few years around the public health implications of cannabis legalization for youth, and the very sort of bifurcated thing we see right now that we need, that public health approaches will put youth at risk for increased harms when we legalize, or a public health approach will protect youth. So first of all, we know, and I keep repeating this, but I think it's hard for us to listen to it and grasp it, that school-based, behavioral-based interventions for youth have no effectiveness at all. In fact, some of the interventions that are widely used in North America, such as the DARE program to prevent tobacco and other substance use, actually increase youth smoking. They have iatrogenic effects of increasing some substance use and actually introducing youth to substances that they did not know about before in the classroom. There also have been delivered by law enforcement, which, based on this topic of social inequalities and smoking, we know that in marginalized and racialized communities, having a police officer in the classroom is not a person of trust that you can relate to about substance use in your home, in your life, and in your community. And that is more likely to be the person that's harassing you and arresting you than a helpful source of health information. So the unintended consequences of our interventions, and I was so happy to see slides and discussions of stigma, these are real. They have real and tangible effects on the bodies of smokers, on the ways that we practice smoking in public spaces, and even on the narrative of addiction and abstinence, the very possibilities that we see for quitting smoking. I like to relate a story that I experienced as a teenage girl smoking outside a subway stop in Toronto, where a woman walked up to me and said, "There are faster ways to kill yourself if you want to die, you know." As if, as a teenage girl, my life was not valuable, as if it was her right to intervene with me in public to say, you know, you should just kill yourself, which I don't think any adult should be saying to a young person, right? Because I was a smoker, that left me open to this very, I like to call it in Borgesian terms, symbolic violence from this person towards me, right? So this is just an example of some of the things. We do things in tobacco that I think we don't do in other fields of substance use. For example, we show diseased and disembodied organs. We put our dying and dead loved ones who are smokers on tobacco packages. We do a lot of things that are indicative of how we think about smokers and the values of their lives. And that is a real and tangible inequality that I think needs to change. And I relate to this through my work. I have a qualitative project right now with parents whose children have died from opioid overdose across Canada. I don't have to tell you, today is a National Day of Action on Opioid Overdose and Crisis. And these parents present as an intervention photos of their loved ones when they were alive, smiling, healthy, and happy. You know, we don't show photos of people who've died from substance use overdose the way we do showcase the diseased, dead, disembodied bodies of smokers. And I think that shows how we've mobilized stigma in problematic ways and how that needs to change. So right now, I think we're at a pivotal moment in the tobacco control, substance use, and harm reduction communities. We have a chance to do something different, to build some bridges and have a different type of dialogue at this moment. I was very, very encouraged to see harm reduction appear in the national framework for the first time. Those actual words came into our federal strategy for tobacco. And we know that with the smoking cannabis to be legal soon, we need to have this dialogue rather than having these divided camps where we'll say, oh no, this will just renormalize smoking and we can't think about harm reduction strategies for smoking both substances. So this is part of the problem, is that we are addressing our substances in silos, and that doesn't really connect to how young adults use substances. They use many substances together at the same time. And then finally, I just wanted to close by saying, as we've heard around addressing inequalities at the community and neighborhood levels and the ineffectiveness of behavioral-based preventions that are substance use specific, that the best prevention for youth isn't drug specific at all. It really is about addressing social inequalities and social determinants of health where young adults live, work, and play. So thank you.
Merci beaucoup, Rebecca. Puis, bon, merci à tous les panélistes d'avoir réfléchi avec nous sur la question. Quatre points de vue, parfois semblables, parfois différents. Question de la salle, soit pour les panélistes, soit pour d'autres personnes qui ont présenté, soit juste pour la salle. J'invite aussi les panélistes à demander des questions entre vous, si vous voulez. Qui veut lancer la balle? On a une 15-20 minutes pour débattre. La question pour les gens en web diffusion, c'est une question sur les interventions, c'est pour Annie Montreuil. Puis elle voudrait savoir qui monte ces interventions-là et avec qui a-t-on parlé pour monter ces interventions? C'est ça? Bien, les interventions qui sont en place au Québec, c'est des interventions qui sont en place ailleurs au Canada aussi, puis dans d'autres endroits dans le monde, là, c'est des interventions qui sont démontrées efficaces par plusieurs études, des études cliniques, des études avec des fumeurs. Donc, c'est pas quelque chose qui est particulier au Québec ni à Montréal. Ce sont les mêmes interventions qui sont en place pour des adultes et des jeunes adultes. Les plus jeunes, donc, on parle de la ligne téléphonique J'arrête, qui offre du soutien aux fumeurs. Il y a un site Internet également qui offre l'information en ligne. Il y a le counseling dans les centres d'abandon du tabagisme. Alors, l'approche qui est utilisée depuis quelques années, c'est l'entretien motivationnel, qui est une approche qui est basée sur... qui part du client, de ses besoins à lui, de sa façon de comprendre le tabagisme et qui ensuite, l'intervenant l'accompagne dans cette démarche-là. Donc, c'est l'approche qui est faite, qui peut s'adapter à différents... À plusieurs personnes puis aux besoins de différentes personnes. Il y a aussi les aides pharmacologiques qui sont remboursées, qui sont accessibles, pas nécessairement par... c'est pas nécessaire de voir un médecin, on peut voir quelqu'un dans un centre local. Donc, il y a des prescriptions qui peuvent être plus facilement accessibles que par un professionnel, un médecin. Maintenant, ces interventions-là, elles sont utilisées par des jeunes adultes puis des fumeurs défavorisés, mais pas autant que le reste l'ensemble des fumeurs. Donc, ce qu'on cherche à faire présentement, c'est de voir comment mieux rejoindre, mieux offrir ces interventions-là qui sont démontrées efficaces. Parce que les jeunes adultes puis les personnes défavorisées, ils veulent arrêter de fumer autant que les autres. Les sous-groupes qui fument davantage, donc les gens qui souffrent de problèmes de santé mentale, ce que la littérature nous dit, c'est qu'ils veulent arrêter de fumer autant que les autres, sauf qu'ils sont plus dépendants souvent. Ils ont aussi des conditions de vie qui rendent la démarche plus difficile. Ils ont besoin d'un soutien peut-être différent. Donc, il faut les rejoindre aussi. Ils ont moins recours aux services. Ils vont moins chercher les services. Donc, est-ce qu'on peut amener les services à ces personnes-là d'abord? Et au niveau des jeunes adultes, ce qui ressort d'une revue des études sur les interventions, c'est d'augmenter peut-être l'accessibilité en utilisant les nouveaux moyens technologiques. Donc, plutôt que de devoir avoir recours à un service en 9h et 5h ou en 9h et 9h, je ne sais pas quelles sont les heures d'ouverture, mais d'avoir quelque chose qui est peut-être distribué par un téléphone intelligent, ça donne un accès différent. Et des moyens aussi pour favoriser l'engagement des jeunes adultes à travers la démarche pour qu'ils se rendent plus loin dans le processus de renoncement. C'est ces deux pistes-là. Au niveau des interventions de renoncement pour réduire les inégalités, ce qui est indiqué par la littérature, c'est que les interventions qui visent les interventions individuelles ont un impact négatif sur l'équité. Quand il n'y a pas de recrutement proactif qui est fait pour rejoindre les fumeurs. Donc, s'il y a des efforts additionnels qui sont faits pour essayer de rejoindre davantage certains groupes de fumeurs, à ce moment-là, l'impact est neutre ou positif. Donc, on s'éloigne de l'impact négatif. Donc, il y a déjà des pistes de façon d'adapter les services qu'on voit, mais c'est la littérature est peu abondante là-dessus, puis c'est vraiment un besoin pour les prochaines années. Merci. Donc, juste pour les gens en web diffusion, si j'essaie de résumer, aidez-moi, c'est que le budget a été diminué de beaucoup en santé publique au Québec, mais les stratégies des compagnies de tabac n'ont pas diminué. Et donc, on se trouve dans... Et on est la promesse la moins taxée pour le tabac.
Et on est la province le moins taxée pour le tabac. Et comment Floride Ducasse répond à ceci pour la lutte au tabac en termes d'inégalité? Merci pour la question, elle est excellente. Peut-être le contexte, juste par rapport à ça, c'est qu'on investit très peu dans la prévention du tabagisme. Donc, au Québec, je peux vous dire que c'est 32 millions par année. Ça comprend aussi toute l'aide à la cessation, les médicaments, comment on les appelle, les NRTs, là, les l'aide à la nicotine. Oui, c'est ça. Et comparativement, juste pour vous dire que ce qui entre en taxes au niveau des revenus tabac, c'est évalué à environ 1,1 milliard de dollars. Mais cela dit, on n'est pas gagnant au niveau de la lutte anti-tabac, puis on ne fait pas de l'argent sur le dos des fumeurs parce que les coûts de santé coûtent pour 1,6 milliard de dollars par année. Donc, je pense qu'on a, au Québec, on a l'impression que les produits sont hyper taxés, ce qui est faux. Je veux dire que c'est environ 5 % de la population qui répond correctement à la question, disant qu'on est les moins taxés. Et je pense que ce que vous soulignez, c'est qu'il faut en faire plus. Je pense que si les budgets étaient bonifiés, puis c'est ce qu'on réclame, on pourrait avoir plus de programmes puis de services qui rejoindraient plus spécifiquement certaines clientèles. Tu sais, je pense par exemple à des centres d'abandon qui auraient aussi une garderie où les parents pourraient laisser leurs jeunes. Je sais que, par exemple, il y a des programmes de francisation. Les gens sont rémunérés pendant leur temps de cours. En tout cas, je sais qu'il y a aussi des coupures par rapport à ça. Mais pourquoi pendant une thérapie ou un service de cessation ou de counseling, les gens ne seraient pas rémunérés aussi, surtout si ça se faisait en milieu de travail? Je pense qu'il va falloir innover, OK? Mais garder en tête que ça, c'est des services, des programmes, ce n'est pas nécessairement de la législation. Chose certaine, c'est que les balises sont là dans nos programmes, le PLSP, pour promouvoir ce type d'initiative-là. Puis, je voudrais juste, est-ce que tu pourrais montrer la slide? Oui, OK. Juste parce que c'est l'opportunité que j'ai. Donc, la ligne en bleu, sachez que les fabricants de tabac ont l'obligation de remettre sur une base mensuelle le prix de gros. Le prix qu'ils vont vendre leurs cigarettes aux dépanneurs. Okay? Ça comprend la taxe fédérale, pas la taxe provinciale ni la taxe de vente. Au Québec, regardons juste la courbe en bleu, ça c'est le prix unitaire pour le prix gros de cigarettes au fil des années. Je peux juste vous dire, donc oui, ça a augmenté, mais gardez en tête qu'au début des années 2000, puis la courbe en rouge, je vais juste présenter les deux. La courbe en bleu, c'est la moyenne de toutes les marques. La courbe en rouge, c'est les 5 marques les moins chères au Québec. Okay? On ne peut pas les identifier la une, on ne peut pas avoir ces données-là. Mais c'est juste pour vous montrer qu'au fil des années, alors qu'on faisait, on avait un marché qui était peu segmenté, okay? Où on avait, la différence de prix était d'environ 1 $ par paquet. On est maintenant pour un paquet de 20, on est rendu à presque 2 $ de paquet, okay, entre les marques moyennes. Donc, l'industrie a continuellement réagi à nos hausses de taxes. Puis, ce que je pourrais vous dire, puis je ne connais pas les chiffres par cœur, mais en fait, dans l'augmentation qui a eu lieu, il y a 54 % de cette augmentation-là, elle n'est pas due aux taxes. Elle est uniquement due aux augmentations qui ont été réalisées par les fabricants de tabac eux-mêmes. Okay? Puis, ici, je veux juste vous montrer, donc, j'ai placé ça c'est où il y a eu une hausse de la taxe fédérale en 2012, puis il y en a eu une en 2014, puis au milieu, il y a eu une hausse de taxe fédérale. On s'attendrait à ce que les chiffres augmentent quand il y a une hausse de la taxe fédérale, parce que les courbes, ils tiennent compte de la taxe fédérale. Quand on voit que, puis là, moi j'ai juste les chiffres avec deux décimales, pas trois, mais quand, par exemple, ici, là, ça a diminué, c'est que l'industrie est venue compenser. Elle a pris un loss sur les marques à rabais pour pouvoir le refiler aux consommateurs et
pour que ces consommateurs-là, qui sont les plus sensibles au prix, les communautés défavorisées, les jeunes, ne subissent pas le plein impact des hausses de taxes. Donc, je vous dis juste que gardez en tête que la taxation est une des mesures les plus efficaces pour rejoindre les communautés les plus défavorisées. Elle est pas utilisée de façon rigoureuse et substantielle au Canada, particulièrement au Québec. Puis en plus, on n'a pas régulé les produits de tabac pour pouvoir vraiment confronter les tactiques de l'industrie du tabac actuellement. Merci. Okay, il y a trois questions. Je voudrais que tout le monde puisse demander sa question ici. D'abord, j'aimerais vous remercier pour toutes les personnes qui ont parlé aujourd'hui, je pense. Je travaille en santé publique et en fait, on a tendance à se féliciter quand je fais des bons coups et ça a beaucoup calmé mes erreurs. Donc là, de quoi je parle? Je parle des campus sans fumée. Donc au Québec, tous les collèges et les universités viennent d'adopter des politiques sans fumée. Et ce que je comprends de ces présentations-là, c'est on n'est pas sûr, est-ce que ça va augmenter les inégalités sociales de santé, ou est-ce que ça va diminuer, est-ce que ça va augmenter les cas, ou est-ce que ça va diminuer les cas? On sait que ça va diminuer la prévalence, mais est-ce que ça va augmenter les cas? La question, c'est pour qui? La question, c'est pour le panel. Allez-y gaiement, mais brièvement, s'il vous plaît, parce qu'il y a plein d'autres questions. Allez-y, dans n'importe qui veut commencer, peut-être... OK, bien moi, j'ai juste un élément de réponse. J'ai entendu aujourd'hui d'une des présentations des données ISIS que les stimuli, que de fait de voir des gens fumer autour, ça donnait le goût de fumer. Donc, les campus sans fumer vont réduire ça autant pour les jeunes adultes qui fument peut-être de façon occasionnelle que pour les jeunes adultes qui sont en démarche de renoncement. Et ils vont faciliter aussi pour éviter que les anciens fumeurs ne rechutent. Puis on est dans le contexte aussi où on fait face à une population. C'est la population, puis il y a les travailleurs aussi qui sont sur les campus universitaires, mais il y a la clientèle étudiante qui, de façon générale, je ne vais pas dire qu'elle est homogène, là, mais c'est une communauté. Dans ce sens-là, bien, ils vont tous subir le même impact. Sébastien, Rebecca? I'm okay. OK. Sébastien? Non, ça va. J'ai rien à dire là-dessus. Quelqu'un d'autre dans la salle? Bon, je vais donner la parole à Kat. Kat? My question is for Rebecca. I really thought the example that you gave of comparing how bodies are kind of victims of tobacco smoking harm in some way compared to opioids was really helpful in clarifying. And I wondered if you'd encountered people defending the different approaches taken in tobacco compared to many other areas of public health, and if so, what those defences were. And I wondered if they involved in any way kind of tobacco exceptionalism, tobacco industry exceptionalism, which I think has done a lot of work for tobacco control, but is also now problematic in some ways. Puis la question pour la web diffusion, j'avais oublié pour l'autre, c'est la question, c'est pour Rebecca, c'est l'utilisation du corps et l'utilisation différentielle qui a été faite par la lutte au tabac et la lutte aux opioïdes. Et la question se demande si l'utilisation du corps pour stigmatiser des gens qui fument, ça a beaucoup aidé à la lutte au tabac, mais est-ce que il y a des ramifications potentiellement néfastes? I think the distinction to make is denormalization without stigmatization. So a lot of the response in tobacco control was to industry's glamorization of tobacco. So the response was, you know, tobacco and smoking doesn't make you sophisticated and beautiful and high status. It makes you ugly. It harms your bodies in these ways and it kills you. But I think it's possible to do industry denormalization without stigmatizing people based on their bodily appearance or their gender. An example of that, the one intervention that has great success for youth is the Truth Campaign for denormalizing industry
industry tactics, and it borrows very much from ACT UP, from activism in public health and HIV/AIDS, where people had the die-in for rights and research for people with HIV, having youth go to tobacco industry places and stage their own die-in. So those types of public health tactics that empower youth rather than, and those, the best thing about the Truth Campaign is it doesn't separate out smokers and non-smokers. It brings together people who are actively smoking, who don't smoke or have quit, to mobilize some type of action against the industry. So that's the shift. The other thing I think, just at a high level, is I do hear you saying, oh, like, this is effective. This image is gross and it's effective, but just because something may be effective doesn't mean it's ethical in public health. And I think that's what we need to wrap our heads around, too. Merci. Il y a une question, puis il y en a deux autres, donc on prendrait trois, puis on va clore. Oui, allez-y. Alors, même question. Vous avez dit que les jeunes, c'est notre groupe où la prévalence est le plus élevée. Alors, je ne suis pas certaine si parmi ce groupe-là, on a des inégalités, c'est-à-dire que c'est tous les jeunes pauvres qui fument et les jeunes riches ne fument pas. Je ne suis pas certaine que c'est vraiment le cas. Je pense qu'il y a peut-être des fumeurs à travers tout ça. En tout cas, ça serait intéressant de savoir ce qui se passe. Mais quand mon souci à moi comme intervenant, c'est de rejoindre mes jeunes avant que ça devienne chronique comme tabagiste, puis rejoindre mes démunis, puis peut-être les deux à la fois. Et là, quand j'entends que tout le monde veut cesser de fumer, en tout cas c'est ce que j'ai comme notion, mais j'entends de monsieur de Hochelaga qui dit « c'est pas notre priorité, ils ont bien d'autres affaires, puis comme intervenant, nous c'est pas là-dessus qu'on va mettre. » Fait que j'entends comme deux discours. Et moi, je me dis, mes politiques, parce que je m'inclus là-dedans, nos politiques ont augmenté les inégalités sociales. Alors, c'est quoi qu'il faut faire? Pas les faire, mais je me demande si en les faisant pas, je les stigmatise encore plus, parce que je leur dis, toi, tu mérites pas que je m'occupe de toi. Et alors, est-ce que je les stigmatise plus en ne faisant rien? Et là, je me dis, on a parlé de milieu, et vous avez dit, les campus vont-ils augmenter? Hey, c'est mes jeunes riches, là, qui sont à l'université. Donc, je vais-tu augmenter? Et là, je me pose la question, les HLM, les milieux de vie, est-ce que ça serait... Excusez, là, je m'en prie. Est-ce que les milieux de vie, les HLM, est-ce qu'on va oser d'une façon éthique dire, hey, c'est fini, ça devient des milieux de vie sans fumer? Moi, j'ai des gens qui m'appellent et me disent « j'ai pas le choix d'avoir un loyer en HLM, puis même si je suis fumeur, j'aimerais ça éduquer mes enfants dans un lieu où ça fume pas. » Fait quand est-ce qu'on pourrait-tu avoir des politiques, je sais que c'est municipal et HLM, mais je vois qu'il y a beaucoup de résistance qui se passe là, peut-être des résistances dans des milieux communautaires qui disent « non, c'est un choix individuel. » On peut-tu avoir des choix collectifs où on va soutenir ces gens-là, puis on va… En tout cas, je ne veux pas faire la mère et le père, là, mais à un moment donné, je pose la question à vous. Est-ce qu'on a le droit de se donner les moyens de mettre des milieux de vie sans fumer dans des endroits où justement c'est stigmatisé? Est-ce qu'on n'aurait pas le droit de donner des incitatifs financiers parce que c'est leur seul plaisir? On peut-tu donner l'argent pour d'autres plaisirs aussi? Si ils lâchent ce plaisir-là, si c'est en toi sans les gens, je sais pas, là, je suis un peu agressive, mais on a-tu le droit de le faire, juste de donner le droit, parce que peut-être que c'est où on n'est pas allé qu'on aurait dû aller. Merci pour la question. Je pense que je n'essaierai pas de résumer, mais est-ce que vous aimeriez demander votre question à quelqu'un en général? Très, très... Non, mais peut-être, monsieur Sébastien, oui. Okay. Parce que, oui. Peux-tu les inclure, mais moi, j'ai envie de les aider plus que peut-être les autres qui ont d'autres moyens. Comment je peux faire si j'ai des barrières un peu partout, là? Oui, bien, premièrement, j'aimerais juste rectifier que je pense pas que c'est la lutte au tabagisme, c'est un sujet qui ne nous intéresse pas dans notre organisation. Je pense que je disais plus qu'il faut, tu sais, c'est un peu l'œuf ou la poule, hein? On parle qu'il y a plus de tabagisme chez les classes les plus défavorisées, mais qu'est-ce qui vient en premier? C'est la défavorisation ou c'est le fait de fumer? Donc, je pense qu'il faut lutter contre les facteurs qui causent la défavorisation, peut-être avant de s'intéresser au tabagisme, peut-être que ça vient en premier. Et ensuite, ça va venir. Puis je disais aussi que
Moi, je crois fortement que une fois que tes besoins de base sont comblés et que t'es réintroduit dans une séquence de réussite, de petites réussites dans ta vie, donc tu reprends du pouvoir sur ta vie, tu peux ensuite construire un plan de vie avec des objectifs, et c'est la personne qui doit mettre le fait d'arrêter de fumer, l'inclure dans un plan de vie. Donc pour ça, autant pour construire un plan de vie que les outils qui vont être utilisés pour pouvoir y arriver, il peut y avoir un soutien, mais ça doit pas venir d'en haut, hein? Ça doit être, je pense, inclusif. Et je trouve qu'on a souvent tendance à pas inclure les personnes défavorisées dans les espaces de réflexion pour concevoir des services qui s'adresse à eux. Donc, je prône vraiment le fait qu'à toutes les étapes, on devrait inclure des personnes qui vivent la défavorisation pour savoir. Et moi, je trouve ça désolant parce que j'avais invité une participante chez nous qui est étudiante, parce qu'on a un service de retour aux études secondaires. Donc, c'est beaucoup des jeunes mamans qui reprennent leurs études secondaires. Et il y a une maman qui est venue faire des présentations pour s'entraide avec moi qui savait pas qu'elle était capable de parler en groupe. Et elle a fait une présentation une fois, puis ça l'a vraiment stimulée. Et là, je l'avais invitée. Elle est mère de 4 enfants. Elle fume depuis de nombreuses années. Puis elle était hyper motivée. Elle disait, je vais aller voir les gens qui fument alentour de moi pour savoir qu'est-ce qui les motiverait à arrêter de fumer. Et malheureusement, un peu comme moi, ce matin, elle a vu la température, elle n'a pas mis ses bottes et elle a glissé, elle s'est fait mal un peu à la hanche. Donc, je dis non, reste, repose-toi, c'est bon, ça va aller. Mais je pense qu'en tout cas, je dis juste qu'on doit, les inclure, ils font partie de la solution. C'était vraiment ça mon message de base, mais pas que la lutte au tabagisme n'est pas importante. J'ai pas besoin d'attendre qu'ils soient riches pour essayer de les interpeller. Ben non! On est rendu quasiment à 5 heures, mais je voudrais laisser la parole à une dernière question. J'avais vu deux mains, je me souviens plus lesquelles. Très brève, si possible. Puis après, restez, on peut débattre ensemble. En fait, ça va être un commentaire pour appuyer ce que vous venez de dire. Dans le milieu humanitaire et dans le secteur du handicap, la notion de « nothing about us without us » est très, très forte. C'est un lobby très fort. C'est quelque chose qui est très fort, alors que dans les communautés défavorisées, c'est moins présent. On parle de recherche, on parle d'intellect, on veut pas ou on stigmatise les gens déjà par leur pauvreté, mais c'est une piste de solution qui est très importante. Merci beaucoup. C'est une excellente façon de terminer notre panel. Merci beaucoup à tous nos panélistes. J'inviterai Julie Vallée à faire un petit mot de fin. Puis après ça, on va lancer le 5 à 7. J'avais totalement oublié que je vais faire le mot de fin. Moi, ce que j'ai bien aimé aujourd'hui, c'était qu'effectivement, il y avait le côté mixte à la fois de par nos profils de chercheurs, d'intervenants, d'étudiants, peu importe, disciplinaires aussi, les deux langues. Et puis, moi, j'ai encore envie de discuter avec vous. Je trouvais que les derniers échanges étaient très fructueux, donc je n'ai pas envie de faire une plate conclusion. Je préfère juste faire une enthousiaste invitation à continuer la discussion autour de quelque chose à boire ou à manger. Merci à tout le monde. Merci. Juste avant qu'on termine, je veux encore remercier les 4 panélistes. Merci beaucoup pour vos insights. C'est remarquable. On peut peut-être les remercier. Un gros merci encore à Kat Smith d'être venue d'Edinburgh pour nous donner son excellente présentation. Et pour terminer, un énorme merci à José Lapanne d'avoir passé ces 6 dernières semaines à je ne sais pas combien d'heures par jour à organiser cette journée extraordinaire. Merci à l'auditoire. Vraiment fantastique. Merci à tous ceux qui ont toffé par webdiffusion.
On a eu une demande de toutes les présentations qui ont été faites, des PDF. On va, si vous nous contactez, on peut vous envoyer les présentations sans aucun problème. Pardon? Ah oui, puis les vidéos. Tout ce que vous avez vu aujourd'hui a été diffusé live, mais vous pouvez le trouver sur YouTube. Donc, pour l'éternité.